Bah, je pourrais, j'espère que ça ira, hein. Voilà. J'ai pas de retour caméra, je ne vois rien du tout. On va faire ça à l'aveuglette. Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Haul, action. Ouais. Et si tu n'es sur ma chaîne YouTube que pour regarder les vidéos haul action, eh bien je te souhaite une très très bonne année. Je l'ai déjà souhaité sur mes autres vidéos, mais vu que je sais pas si tu regardes les autres, et bah c'est pas grave. Mieux vaut trop que pas assez, comme on dit. Donc bonne année, bonne santé, plein de joie, plein de bonheur. Enfin, bonne année quoi. Je suis toujours pas à l'aise pour faire non, je sais pas. Mais ça vient du cœur, donc c'est le principal. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est une vidéo haul action, donc il y a des choses qui datent du mois dernier et de l'année dernière du coup, et puis un petit peu là en début de mois, voilà, parce que je fais une vidéo tous les mois et ça regroupe le mois dernier et ce mois là, à chaque fois c'est comme ça, voilà, du coup bah là il y a des trucs que je vais te montrer du mois de décembre et du mois de janvier, et tout tient dans mon sac licorne, enfin c'est pas à moi, c'est à ma fille, je lui ai piqué, il faut pas le dire, chut. Donc voilà, tout tient là-dedans, donc il n'y a pas énormément, mais en même temps si, parce que c'est tout, c'est bien compacté là-dedans. Donc il y a quand même pas mal de choses, donc on va essayer de faire vite, parce qu'il y a 2-3 petits bricoles là qui traînent sur ma table, qui ne rentraient pas dans le sac. Bref, on s'en fiche. Alors je vais tout étaler sur ma table, parce que là si je laisse dans le sac, je ne vais pas m'en sortir. Je vais faire mon mix là-dessus, puis j'arrive. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon petit tri, globalement, et puis bah c'est parti, hein. Du coup, voilà, allez, on y go. Donc depuis le mois de décembre, j'y suis allée 2, 4, 6, 7 fois. J'ai que 6 tickets de caisse parce qu'il y en a un que j'ai dû perdre en chemin et j'ai impossible de le retrouver. Il a dû s'envoler quand je suis sortie du magasin, j'en sais rien, mais impossible de le retrouver. Donc du coup, il y a certains produits où je n'ai pas le prix. Mais, je me suis cassé le cul, hein, c'est qu'à le dire, de rechercher les prix sur internet pour pouvoir te les dire. Même si je suis pas sûre que finalement les prix ça t'intéresse vraiment, j'en sais rien. Mais voilà, je me suis fait chier à regarder sur internet les prix. Il y a certains trucs que j'ai pas trouvé quand même. Et en plus, il s'est avéré que sur les prix sur internet ne sont pas du tout les mêmes qu'en magasin. Il y a certains articles qui sont plus chers ou moins chers. Oh, comprendre un qui boira, je sais pas, c'est bizarre. Bref, du coup, voilà. Donc j'ai déjà noté tous les prix sur les produits pour éviter de me faire chier à les chercher sur les tickets. Donc là, contrairement au mois dernier, j'avais rien trouvé dans le loisir créatif. Là, j'ai trouvé quelques petites bricoles. Donc il y a pas... Ouais, il y a plus de choses dans le loisir créatif, mais aussi pas mal de choses dans le rayon beauté, hygiène beauté. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, les produits de beauté, on va dire c'est comme ça. Hein, voilà. Et il y a des petits trucs pour la maison et du divers. Voilà. Donc je commence par des choses qui ne sont pas du tout bio. Il y en a plein qui sont contre ça, mais moi j'adore. C'est pas très bien, mais j'aime bien. C'est les pchipchits. Enfin, ça sent bon. Donc j'en ai un Airwick et un Glade. Il y en a un qui va aller dans celui là-haut. Je sais pas si on le voit d'ici. Il y en a un là-haut. Donc voilà, le Airwick est plus cher. C'est où que j'ai mis le prix. Ouais, le Airwick est plus cher que le Glade. Et en plus, j'ai vu que il y a que 10 centimes de différence avec Leclerc. Juste 10 centimes. Bon, ok, 10 centimes plus 10 centimes plus 10 centimes, à la fin ça fait énorme, mais bon, je pensais que ça serait... Il y aurait plus de différence que ça, quoi. Bref, du coup, le Airwick, il était à 3,19, alors que le Glade, il était à 2,99. Et après, je suis retombée sur le Airwick, ouais, à Stokomani, il était 30 centimes moins cher. Je sais putain, pourquoi je l'ai acheté chez Action, si j'avais su, j'aurais attendu. Bah tant pis, maintenant je le sais, pour la prochaine fois. Voilà, bref. On s'en fiche. Donc là, ça tombait bien que j'aille chez Action ce jour-là, parce que j'en avais plus à la maison, puis ça m'a évité d'aller à Leclerc ou à Carrefour pour en prendre un. C'est de l'adoucissant. En plus, c'est la marque Soupline, donc c'est génial. Voilà. Donc je l'ai déjà utilisé. Hein. Il en manque un petit peu. Bref, voilà, la Soupline. À la vanille. Moi, j'adore la vanille. La vanille, c'est mon parfum préféré. Je déteste le goût. Les gâteaux à la vanille, j'ai horreur de ça. Mais alors, l'odeur, le parfum, j'adore ça. Là c'est vanille et orchidée. J'ai pas fait la différence de prix avec Leclerc et Carrefour, j'en sais rien, mais en tout cas celui-là il était à 2,39€ à Action. Voilà. Pour ma salle de bain, j'ai pris une petite raclette pour racler les parois de la douche. Pour éviter d'avoir des gouttes d'eau qui font. Vu qu'il y a plein de calcaire ici, ça laisse des traces. Et bah maintenant avec ma raclette, et bah c'est plus facile. Enfin, j'ai pas encore testé du coup, mais bon. Voilà. Donc là c'était 66 centimes la raclette pour la douche. Voilà. Alors j'adore, c'est les lingettes microfibres. Du coup j'en ai pris deux.
parce que j'en voulais des spéciales pour mes carreaux, pour mes vitres. En fait, j'en ai déjà deux, mais vu qu'il faut les nettoyer régulièrement, et ben, à un moment donné, j'étais un petit peu à court. Donc là, j'en ai racheté deux. Mais en fait, la première que j'ai achetée, je me suis trompée parce que ça n'a rien à voir avec les carreaux ou les vitres ou les miroirs. Mais ça devrait fonctionner quand même, hein, mais voilà, c'est marqué chiffon microfibre. Donc celui-ci, il était à 69 centimes. Et après, j'ai racheté celui-là qui est spécial pour les vitres. Il n'y a plus l'étiquette. Ah, c'est là, l'étiquette. C'est marqué, hein. Donc là, c'est miroir. Chiffon, vitre et miroir, si tu préfères, ouais. Et c'était 59 centimes. Il est moins cher, en plus. Donc, c'est très bien. Du coup, je pense que je vais reprendre un deuxième comme ça, parce que c'est pratique. Donc ça, c'est pour mettre dans ma cuisine aussi, parce que les miens, ils font la tronche. Ils sont tout pourris, tout pourris, ouais. C'est qu'elle veut dire. C'est des poignées de porte. Donc il y en a qui les utilisent pour customiser diverses choses, mais moi je vais m'en servir en tant que telle, en poignée de porte. Voilà, pour mon placard dans la cuisine. Donc j'en ai pris trois, ils sont trois différents, mais ils sont tous les trois au même prix. À 82 centimes, la poignée de porte. Alors par contre, la vis est super longue, donc je sais pas comment je vais faire pour les couper. Parce que ça va déborder du placard, ça va être... On va se prendre le pull dedans, etc., etc., ça va être la misère, je sais pas. Alors monsieur va devoir se faire chier à couper les tiges. Voilà. On va mettre trois petites poignées de porte. Tiki commence à faire le bazar. Alors j'en avais déjà pris la dernière fois de ces trucs-là, et j'en avais pas assez. Il m'en faut toujours plus, et je pense que je vais reprendre la prochaine fois aussi. C'est des petits sets de table. Donc là, c'est un lot de deux à 1,86€. J'en avais des bleus foncés et j'en avais pris deux lots de deux comme ça, mais j'en avais toujours pas assez quand je fais des grandes tablées. Et bah, j'aime bien en avoir plein, c'est mieux. Hein. Donc, du coup, voilà, maintenant ça m'en fait 6. Mais j'en voudrais encore deux autres. Voilà. Alors, ça, quand je l'ai vu, je fais oh, il me le faut, j'adore, c'est trop beau. Une assiette. Ouais, t'appelles ça comment? Un saladier? Un bol saladier? Pour moi, c'est plus une assiette creuse, hein. Donc moi personnellement je vais m'en servir pour l'apéro, pour mettre les chips dedans par exemple, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et elle était à 3,99€, donc ça pique un petit peu la vaisselle de chez Action quand même. Hein, ils se font plaisir de ce côté-là. Et il y a un petit effet craquelé à l'intérieur, j'adore, c'est super joli. Ça va au lave-vaisselle et au micro-ondes, mais ça va pas au four. Ça passe pas au four, mais pour le reste c'est bon, donc c'est très bien. Donc le suivant, je peux pas te le montrer comme ça. Parce que ce serait trop galère. Alors, je te laisse regarder les images. Donc, celui-là, c'est ma maman qui me l'a offert. Mais voilà, hein, ça compte quand même pour un achat de chez Action. J'en rêvais depuis une éternité. Et quand on est tombé dessus, bah, ma mère me l'a pris derrière mon dos, sans que je le sache. Et elle me l'a offert. Voilà. Enfin, bref, c'est le petit. Ils appellent ça un moulin à épices. Avec 8 pots à épices. Et c'était même pas 5€ ce petit carrousel. On va appeler ça un carrousel. Voilà, j'ai déjà rempli mes petits pots et j'ai marqué le nom de chaque épice dessus ainsi que la date de péremption parce qu'on sait jamais. Voilà, voilà. Au niveau du divers, je sais pas le classer dans quoi exactement, j'en sais rien, j'ai pris une ceinture pour ma fille parce qu'elle arrête pas de piquer celle à sa sœur et sa sœur elle gueule, forcément. Hein. Et sa sœur elle est pas contente. Donc du coup, j'ai pris une ceinture rien que pour elle. Elle est un peu grande, mais bon. C'est pas grave, elle va faire un double tour. Hein. Et elle était à 2,59€. Alors ça, oui, c'est pareil. C'est pas pareil, mais c'est le ticket de caisse que j'ai perdu en brousse. Donc c'est un prix que j'ai trouvé sur internet, mais je sais pas du coup si en magasin il est plus ou moins cher. Ou si c'est le même prix, j'en sais rien. En tout cas, là, c'est le prix que j'ai trouvé sur internet. 2,59€, la petite ceinture. Et elle existait aussi en noir, si je dis pas de bêtises. Mais bon... Les petites filles, ça aime bien le rose. Moi, je déteste le rose. Voilà, une ceinture en tresse. Elle est jolie, hein. Mais moi, j'aime pas le rose, c'est tout. J'ai repris du gros scotch. Du grand, du gros, du large. Parce que bah, le mien, je l'ai fini. Il n'y en avait plus. En faisant le carton pour le sapin de Noël, il fallait que je rescotche le carton parce qu'il était en piteux état. Il faut que je change les cartons. Enfin bref, on s'en fout. Et du coup, voilà, j'ai scotché mes cartons et puis moi j'avais payé le scotch. Alors j'en ai racheté un. On s'en fout complètement. À 79 centimes, j'aurais dû en prendre deux. De toute façon, ça, il y en aura toujours hein, chez Action. Hein. Donc quand j'y retournerai, j'en prendrai un autre. Parce que moi, je l'utilise régulièrement. Rien que pour la résine, je l'utilise. Voilà.
Je rigole de ma connerie. J'ai repris encore et encore une coque de téléphone. Je fais une collection de coques de téléphone. Mais le problème, c'est que mon vilain petit tiki, mon petit oiseau là, hein, et ben il est vilain. Et il arrête pas de m'arracher la mienne. Tu sais, celle que j'ai achetée la dernière fois là, celle qui fait ça. Et ben là-haut, tu vois, je sais pas si on voit bien, mais il n'y a plus de sequins. Il m'a tout arraché. Pendant que j'ai le dos tourné, il s'amuse. Oh, ça brille, je te l'arrache. Bref, voilà, du coup, ça me saoule. Alors j'en ai pris une toute simple. Enfin, toute simple, non, parce que j'arrive pas à en trouver pour le S9. Ils font rien, ils font que des trucs pour les iPhones. C'est pourri. Donc là, c'est de la marque Cosmopolitan. Et bah, je suis pas spécialement fan, hein. Elle a un effet crocodile ou je sais pas quoi, reptile. Ouais, c'est un effet, ouais, c'est les écailles de reptile. C'est débile ce que je dis. Je suis pas spécialement fan, mais au moins je me dis que celle-là, il va pas me l'arracher, il va pas l'abîmer. Voilà. Et c'était 2,89€ la coque de téléphone. Et on termine avec les boîtes. J'adore les boîtes, enfin pour cette catégorie-là. Je suis une collectionneuse de boîtes, j'adore les boîtes. Et celle-ci, c'est pour mon chéri. Il y a un petit truc dedans. Parce qu'en fait, il fume les cigarettes électroniques, mais le problème, c'est qu'il m'en fout partout, là, les petits tubes de liquide, il y en a partout, ça me saoule. Donc du coup, je vais tous les mettre là-dedans. Et voilà, et du coup, ouais, c'était un lot de deux. Donc le deuxième, je sais pas comment je vais m'en servir, on verra bien. Bref, c'était 74 centimes les deux petits paniers en plastique. Ils sont bien... Voilà. Et j'ai pris couleur menthe, forcément. Donc il n'y a plus que deux catégories, le loisir créatif et le... Comment j'ai dit tout à l'heure? Les trucs d'hygiène? Les produits de beauté? Ouais. Les produits de beauté? Ok. Donc j'ai refait le plein de labello. Des baumes à lèvres, excusez-moi, parce que... Ouais non, c'est le labello que je dis des bêtises, ouais. Enfin bref, c'est des baumes à lèvres, parce que moi je déteste les rouges à lèvres, les gloss et tous ces trucs-là, mais je fais une consommation de baumes à lèvres. Oh, en été comme en hiver, j'en utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà, j'en ai un dans ma poche, là. Ouais, c'est un Nivea. Mais ouais, je fais une collection de baumes à lèvres et j'aime bien en avoir partout. Dans ma poche, dans mon sac, dans mon manteau. Et bah là, c'était le dernier que j'avais, le Nivea. Donc du coup, bah, j'en ai racheté 3. Donc il y en a 2 de la marque Labello et l'autre, c'est un Maybelline. Mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment un baume à lèvres. Et ma fille a pris le même. Mais bah, du coup, elle me l'a emporté. Alors voilà. Bref, du coup, ils étaient tous les 3. Ouais. Que ce soit Labello ou Maybelline, ils étaient à 1,49€. Donc ceux-là, les tubes, ils sont en paillettes, mais c'est bien marqué dessus que non coloré dans un étui pailleté. C'est tout. Il n'y a pas de paillettes dedans. Moi j'aime pas. Moi j'aime bien quand c'est soft, sobre. Voilà. Et lui, il est à la menthe, si je dis pas de bêtises. Eucalyptus. Menthol. Ouais, bah c'est ça, oui, c'est à la menthe. Et il est rose. Alors j'espère qu'il se voit pas trop, j'ai un petit peu peur. Ceux-là ils sont transparents, c'est très bien. On verra bien. Mais ça, j'ai peur que ça soit pas vraiment un baume à lèvres. C'est même pas marqué en français en plus. Il n'y a rien de marqué en français. Donc je sais pas. Ça oui, bah la vélo, c'est la vélo. Hein. Trop de blabla, petit blabla. Hein. Alors ensuite, avec ma fille, on aime bien c'est faire les patchs contre les points noirs pour le nez, le menton, le front et tout. Mais sauf que pour le menton et le front, on n'arrive plus à en trouver, ça n'existe plus. Il n'y a que pour le nez, puis on en a toute une collection pour le nez, donc ça c'est bon. Mais ouais, du coup, on voulait pour le menton. Il n'y en a plus. Alors on a trouvé autre chose. Alors, j'en ai pris qu'un pour l'instant pour essayer, parce que on se méfie toujours, hein, on ne sait jamais. Je vais l'essayer sur moi d'abord. Je vais pas le faire sur ma fille, ça craint. C'est un masque au charbon, comme ça. Voilà. Normalement, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais c'est faut l'utiliser qu'une fois par semaine. Il n'y en a qu'un en même temps, donc tu me diras. Voilà. Mais ouais, c'est un masque au charbon. Contre les pores obstrués et la peau. Oh, la peau grasse! Mais pas la peau grasse, moi. Bon, tant pis. Bref, on va essayer ça. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Et c'était 79 centimes le masque. Voilà. On pue les patchs pour le front. Ça, c'est nul. Mais le front, il est là. Et la nuque, elle est ici. Mais oui. Oh, n'importe quoi.
quoi. Bon, vas-y, laisse tomber. Ah, ça, c'est pareil, c'est pour les filles et puis bah, pour moi aussi, hein, je vais les utiliser. C'est des tout petits élastiques transparents parce que j'en ai toute une collection en noir. Des élastiques noirs, j'en ai plein. Mais les transparents, j'en ai quasiment plus. Donc voilà, là, ils sont tous transparents, donc c'était très bien. Et c'était 85 centimes et ils disent qu'il y en a 300 à l'intérieur. Alors après, je sais pas s'ils sont vraiment costauds. On verra bien, on essaiera. Voilà. Alors j'en ai repris un comme ça parce que je les adore, je les trouve super géniales. Pour se laver les mains, c'est juste un savon pour les mains. Moi j'adore, je me lave les mains trop souvent, trop régulièrement. Et du coup, bah, celui-là je l'aime bien, il est super sympa. Donc c'est 1,11€ le flacon. Voilà. Donc j'ai repris le même avec les petits tigres roses. Ils sont roses les tigres, c'est chelou. Hein. Bref, voilà, un savon pour les mains. Alors comme je l'ai dit, je me lave régulièrement les mains et du coup, bah, à la fin, surtout à cette saison-là, j'ai les mains qui sont complètement irritées, quoi. Forcément. Du coup, bah, j'adore utiliser une crème pour les mains, une crème hydratante. Et là, je suis tombée sur celle-là, c'est une nouvelle. En tout cas, moi, personnellement, je l'avais jamais vue avant. C'est bah, Action, hein. Ça doit être la même chose que l'autre, que le savon. C'est marqué crème hydratante pour les mains à l'aloe vera et au beurre de karité à 99 centimes le petit tube de 50 ml. Il y avait plusieurs designs différents, mais moi j'aimais bien celui avec l'oiseau, forcément. Voilà. Alors j'ai pris ça pour mon chéri, parce que j'en ai marre, il me pique tout le temps le mien. Je me dis, c'est un truc pour fille, qu'est-ce que tu fais toi? Il s'en fout. Alors tant pis, ben, là j'en ai pris un spécialement pour lui, c'est un déodorant pour homme. Voilà, la marque Nivea, tout simplement. À 1,59€, comme ça il évitera de me piquer les miens. Il est chiant avec ça. Alors j'aime bien avoir toute une collection de gel douche. J'aime bien en avoir plein chez moi. Et celui-là, je ne l'avais pas encore. Le petit Marseillais à la vanille. Forcément, la vanille, j'adore. Ouais, c'est très bien. Donc c'était 2,49€ le gel douche à la vanille. Le petit Marseillais. J'aime bien. Mon tiroir, il est rempli de gel douche et de shampoing. Mais il n'y en a jamais assez de ça. On peut se retrouver à court du jour au lendemain, on ne sait jamais. Donc moi, je préfère en avoir plein. Voilà. Et pour terminer dans le rayon beauté, le mien était complètement bousillé, il était mort. J'en utilise quasiment jamais. Non, c'est super rare quand je l'utilise. Et celui que j'avais, il datait d'il y a de nombreuses, très nombreuses années. Et puis bah là, il a rendu l'âme il n'y a pas longtemps. Donc du coup, il fallait que je l'échange, que je rachète un. Et bah voilà, une petite... tu appelles ça une éponge? Comment t'appelles ça? Un blender. Éponge de maquillage. J'ai pris couleur menthe, bien évidemment. Même si on s'en fout complètement. Voilà, une petite... ça fait partie du ticket de caisse que j'ai perdu. Parmi d'autres articles aussi. Je sais plus lequel que j'avais. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout. Et sûr, j'ai pas retrouvé le prix sur internet, donc j'en ai pas la moindre idée. Bon, c'est moins d'un euro, ça c'est sûr. Voilà, c'est une petite éponge comme ça. Et pour moi, c'est pour mon blush, pas pour le fond de teint. Juste pour le blush. Et le blush, voilà, j'en mets vraiment bah quasiment jamais, quoi. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir une petite éponge sur soi. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là-haut, vous deux? Bah oui, Tiki. Tu fais bisous à maman? T'es un gros dégueulasse, toi. Donc on va terminer maintenant avec la dernière catégorie, le loisir créatif. Et voilà, après c'est fini. Donc ça c'est pas dans le loisir créatif, c'est plutôt dans le rayon bureau, papeterie, ouais. Mais moi je vais m'en servir pour le loisir créatif. Et c'est un, moi j'appelle ça un set de table. T'appelles ça comment toi? Un sous-main. Ah bah oui, c'est très bien aussi. Voilà, moi j'en voulais un classique tout simple, mais souvent ceux qui font chez Action c'est très coloré, c'est sur le thème de Disney, c'est des paysages, c'est des animaux, mais pour... non, moi j'en voulais un tout simple, tout uni. Donc là j'en ai trouvé un tout noir, avec une petite pochette là, transparente, on s'en fout, et dedans ils ont mis le calendrier, 2019, on s'en fout complètement. Donc tu vois, ça s'enlève, donc c'est très bien. Et à 2020 et 2021, donc on est bien. Donc voilà, un sous-main, un set de table, c'est comme tu veux. Bref, et du coup c'est pour mettre sur ma table. Là, quand je fais mes vidéos sur ma table, vu que j'ai enlevé ma nappe et que c'est une table en verre, et ben on voyait le reflet de la caméra. Donc c'était pas génial. Alors je voulais quelque chose pour mettre sur ma table. En plus ça la protège, en plus c'est génial. Donc voilà, j'ai trouvé ce truc là, super sympa. Et comme ça je peux mettre des trucs en dessous.
si jamais je veux changer le décor, quoi. Je mets ce que je veux. Bref, c'était 1,99€ cette chose pour mettre sur ma table quand je fais mes vidéos. Voilà. Ensuite, pour ranger sur mon bureau mes petits apprêts, pour faire mes bijoux et tout, j'ai trouvé deux petites boîtes carousel à 74 centimes. Des boîtes de rangement. Oui, bah c'est pareil, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc il y en a deux petites boîtes. Une transparente. Bah, elles sont toutes les deux transparentes, mais il y en a une transparente et une petite violette. Il y avait plusieurs couleurs, mais les autres. Enfin bref, on s'en fout quoi. Voilà. Alors ça fait partie du ticket de caisse que j'ai pas retrouvé. Donc j'ai pas trouvé le prix non plus sur internet, donc j'en sais rien. Bon, ça devait être moins d'un euro certainement. C'est des stylos pour écrire sur le verre. J'ai été perdue hier. Enfin, tu peux écrire aussi sur la porcelaine et plein d'autres choses. Mais moi en fait, je m'en sers rien pour mon bullet journal. Et si j'y prends couleur menthe, je sais pas pourquoi. Il y a du vert, du gris, du noir et du menthe. Voilà. Voilà. 4 petits stylos. Bon, après, ouais, normalement, c'est pour la porcelaine, le métal ou le verre. Mais tu t'en sers comme tu veux, finalement. Hein. Ensuite, j'ai pris 3 lots de washi tape à 89 centimes. J'en ai pris un dans les couleurs vert, la nature. Le noir et blanc, je voulais vraiment m'en servir pour mon bullet journal parce que déjà il y en a un, c'est des slim, c'est des tout petits, des tout fins. Il y en a un où il y a les jours de semaine et l'autre où il y a des petits carrés où comme ça me permet de cocher mes cases quoi. Et le dernier c'est sur le thème de sauvage, on va dire ça comme ça. Il y a des plumes de paon en vert et doré, enfin, menthe et doré. Il y a un imprimé léopard et puis à côté c'est des espèces de petits tigres, ou des petits chats, voilà, on va dire c'est des tout petits chats. Voilà. Donc, 3 lots de washi tape à 89 centimes. Ensuite, ceux-là, ça fait un petit moment que je les vois dans le magasin. Et jusqu'ici, ils ne m'intéressaient pas plus que ça parce que je trouvais les motifs pas géniaux. J'en aurais pas l'intérêt, l'utilité. Donc, j'en voyais pas l'intérêt. Voilà. Mais bah, finalement, je me suis laissée tenter quand même. Donc, Madame Catastrophe. Du coup, elle a laissé les deux petits tampons comme ça, en cachet. Comment ils disent? Marqué où? C'est pas marqué. Ouais, enfin des tampons cachés. Voilà. Donc du coup, j'ai pris deux sur le thème anniversaire, on va dire ça comme ça. Et l'un, c'est un gâteau d'anniversaire et l'autre, c'est un cadeau. Un gâteau et un cadeau. Cadeau. Voilà, les petits tampons. Et c'était 56 centimes le tampon. Ensuite, j'ai voulu tester ça. Mais finalement, je l'ai testé entre temps. Et finalement, je trouve que ça fonctionne pas du tout. C'est du vernis mat. Mais ça fait pas du tout mat, ça fait brillant. Donc, je suis dégoûtée. Voilà, un tout petit tube comme ça, c'était 1,59€. Et ça fonctionne pas. Parce que moi, j'ai que du vernis brillant et j'en voulais à tout prix un mat. J'ai dit, je vais tester celui-là. Et ça fonctionne pas. C'est nul. Voilà. Alors ça, j'étais contente d'en trouver. Parce que j'en avais jamais trouvé jusqu'ici. Et pour moi, c'est pratique. C'est des petites fioles en verre. Donc j'ai pris deux lots de deux tailles différentes. Il y en avait encore un autre lot, je crois, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. C'était 59 centimes le lot. Voilà. Donc là, il y en a 4 grandes et là, dans celui-là, 8 petites. Pour la résine ou pour la polymère, tu peux faire des choses super sympas là-dedans. Et celles que j'avais, elles n'avaient pas les tailles idéales. Alors que celle-ci, c'est super, on peut faire plein de petites choses sympathiques. Et je crois qu'après, c'est fini, c'est le dernier. Il me semble que j'ai fait tout le tour. Donc j'ai acheté pour la première fois de ma vie, je voudrais tester. Déjà, si tu connais des vidéos qui pourraient être sympas, j'en ai déjà regardé quelques-unes, mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Donc si tu connais une vidéo géniale qui explique tout correctement, ça serait super. Donc je voudrais m'essayer à l'acrylique pouring. Et du coup, j'ai acheté le pouring de médium de chez Action. Alors je sais pas ce qu'il vaut, j'en ai aucune idée. Et je crois qu'il faut ajouter un autre truc avec, mais je sais pas quoi. En fait, j'ai de l'aquarelle, j'ai plein de... Non, pas d'aquarelle, de l'acrylique, des peintures acryliques, j'en ai la tonne, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai le pouring, mais du coup, je crois qu'il manque quelque chose. Je sais qu'il faut autre chose, mais je sais plus quoi. Bref, du coup, justement, donc si tu as des vidéos à me proposer sur l'acrylique pouring, je serais très contente. Je voudrais tester ça. Mais je le trouve vachement liquide, le truc, donc je sais pas si il est génial, celui de chez Action.
On va tester, on verra bien. Donc j'ai payé le tube là de pouring medium 2,99€. Le gros tube. Ouais. Voilà, ouais, j'ai fait tout le tour de ce que j'ai acheté chez Action durant le mois de décembre et janvier. Début janvier, fin décembre. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et c'est encore une vidéo beaucoup trop longue parce que j'ai fait trop de blabla, je raconte ma life. C'est n'importe quoi, faut que je me calme. Et j'avais dit que je voulais faire des vidéos courtes, c'est chiant, j'y arrive pas. Enfin bref, voilà, du coup, voilà, j'ai fait tout le tour, donc je vais couper court à cette vidéo. Et on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo haul action. Mais j'espère quand même que celle-ci, même si elle a été longue, elle t'aura plu quand même. Hein. Elle t'aura, je sais pas, elle t'aura donné envie d'aller chez Action. Ouais, tout le monde a envie d'y aller, il y a toujours des choses sympas. Voilà, même si moi, personnellement, je me pars souvent les mains vides parce que je trouve jamais ce qu'il faut. Il n'y a jamais de nouveautés chez nous. À chaque fois, en fait, les nouveautés que j'ai, c'est des anciens que t'as chez toi. On est un petit peu de retard chez nous, j'ai l'impression. Mais bon, bref, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ouais, donc c'est pas. Enfin, j'espère quand même que la vidéo, même si elle a été longue, elle t'aura plu. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais ça, c'est comme d'habitude. Et puis, bah voilà, en attendant, je te fais tout plein de gros poutous. Si jamais ça t'intéresse, il y a une vidéo qui arrive vendredi. Ou sinon, eh bien, on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo haul. Voilà, alors tout plein de gros poutous et à très bientôt. Bye.